And I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies. Secondhand, I'll rock that motherfucker. Je suis quelque part, j'essaie d'apprendre la langue, mais malheureusement j'oublie. C'est pas bien. Je lis en allemand, je travaille en allemand. Let's go, trying to get girls from a brand, and you hello won't. Hello, hello. Bonjour à tous. Merci d'être ici. On est presque à l'heure. On est ici après deux jours. Enfin, c'est la dernière table ronde de ce forum qui est un moment rare, je crois. Je vous remercie d'être là. C'est assez exceptionnel d'avoir autant d'énergie positive rassemblée comme ça en deux jours. On a pris plein de bonnes ondes. Et je suis d'autant plus contente d'animer cette table ronde qu'elle est consacrée à l'action et qu'elle est consacrée à la façon dont on peut chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, agir. Donc je me présente brièvement, je m'appelle Laurence Folea, j'ai le plaisir et la chance de diriger la rédaction de Psychologie Magazine, qui est évidemment partenaire naturel de ce printemps de l'optimisme. Et donc j'ai le plaisir aussi d'accueillir parmi nous, si j'ose, Luc Simonet, notre père à tous, le fondateur de la Ligue des Optimistes. Donc, il a fondé en 2005 en Belgique, qui a depuis essaimé dans une dizaine de pays. Dans toute la France, depuis deux jours, il y a des dîners de l'optimisme organisés à l'initiative de la Ligue. Philippe Gabilet, son confrère, collègue du positivisme, professeur... Disons-le, son fils spirituel. Son fils spirituel, absolument, qui est président d'Optimistes sans frontières, qui a été créé cette année, je crois. Avec plein de projets, on vous racontera tout ça, parce que l'envie d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans le concret. Hein. On a compris hier qu'on pouvait être optimiste et français. Si, je pense que certains d'entre vous étaient là. C'est possible. On a une belle brochette ici, et belge aussi, hein, n'oublions pas. Donc Philippe Gabilet aussi, qu'on ne présente plus peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là hier, avant-hier, professeur à l'ESCP, grand spécialiste de la psychologie positive, qui est l'auteur notamment d'un éloge de l'optimisme qui a beaucoup marqué, d'un éloge de la chance aussi, donc qui est parmi nous aussi pour nous éclairer sur toutes ces questions et toute cette mécanique de l'action positive. Charles Rojman, psychosociologue, je vais m'asseoir si vous voulez voir vos intervenants, qui est donc le fondateur de la thérapie sociale, qui est une approche thérapeutique de guérison de la société, je le dis vite, mais il nous expliquera ça mieux, notamment qui s'intéresse à la façon de guérir les liens et les violences, surtout, et aussi bien en banlieue. Oh, mais voilà Florence, on l'applaudit, Florence Herrancherbert, notre professeur de bonheur, qui est à l'heure. Bienvenue Florence. Donc Charles, j'étais avec toi, donc tu es un spécialiste des violences, hein. Ça fait partie aussi de la vie, on est optimiste mais on n'est pas naïf et on essaie de rester lucide et réaliste. Tu travailles aussi bien en banlieue qu'au Rwanda ou en Israël à recréer du lien, on va dire ça simplement pour l'instant, tu nous expliqueras comment ça fonctionne. Ilios Kotsou, camarades de Belgique aussi, on a deux représentants de la Belgique ici. On se demandera peut-être pourquoi les Belges sont aussi un peu plus branchés par la psychologie positive que les Français. Donc Ilios, tu as un doctorat en psychologie, tu t'es formé à la méditation. Tu n'as pas encore le doctorat. Oh, pardon. Alors on te souhaite d'avoir bientôt ton doctorat, mais tu es déjà quand même sur le terrain, dans l'action. Et notamment, tu fais beaucoup de formations. En entreprise en particulier, et tu t'es toi-même formé à la méditation de pleine conscience, dont on parlera aussi, parce que la méditation, c'est aussi de l'action, paradoxalement. On verra ça tout à l'heure. Florence, donc je te présente rapidement, professeur de bonheur,
auteur comblé de 3 kiffs par jour, dont je pense personne ici ne peut ne pas avoir entendu parler, et auteur néanmoins comblé de Power Patate, le dernier opus chez Marabout, qui est déjà en tête des ventes des livres de développement personnel et de psychologie positive. Donc bravo, merci d'être là. Et Christophe Schoenbeau, c'est lui qui a écrit Impliquez-vous, qui a coordonné notamment ce livre Impliquez-vous, dont je pense pas mal d'entre vous ont dû entendre parler, qui recense toutes ces initiatives citoyennes, individuelles, associatives, de gens qui ont envie de changer le monde, tout simplement. Et d'ailleurs, Christophe, qui est aussi le fondateur d'un portail culturel qui était assez atypique, qui s'appelle Even, c'est aussi le fondateur d'une série de rencontres, notamment une série de rencontres Changer le monde, où on va souvent, je vous invite à passer quand la prochaine aura lieu. Ce sont vraiment des moments forts et de partage très intéressants entre des gens qui se bougent, qui essayent de faire bouger un peu les choses. Voilà, donc merci beaucoup. Un auditeur d'exception parmi nous, Philippe Croison, c'est l'emblème de la pensée positive, de la force, du dépassement de soi. Bravo, merci beaucoup Philippe d'être là. Merci. Notre grand témoin, si tu veux tout à l'heure, si tu veux dire un petit mot sur ce que tu auras entendu, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Donc pour commencer, je vais m'asseoir et je vais vous demander à chacun, donc je constate quand même, avant que vous me le fassiez remarquer, que nous ne sommes que 2 femmes sur ce plateau. C'est un scandale, nous sommes d'accord, mais c'est comme ça. On fera mieux la prochaine fois. Bientôt, il va falloir qu'on s'excuse. C'est ça. Donc, je vais commencer avec toi, Florence, et je voulais vous demander à chacun, très rapidement, comme on va essayer de comprendre un petit peu ce qui déclenche la volonté d'action et le passage à l'action et l'envie d'aider, l'envie d'être au service d'autrui, l'envie de porter des valeurs positives dans ce pays où c'est quand même un peu à contre-courant encore. On est un peu des pionniers encore ici, mais ça fait tache d'huile. Et je voulais vous demander à chacun un petit mot personnel sur ce qui, dans votre histoire, dans votre propre histoire, dans votre parcours, vos rencontres, votre éducation, les épreuves que vous avez pu traverser, qu'est-ce que vous diriez à notre assemblée de ce qui a fait cette vocation, de ce qui a déclenché cette envie d'agir positif. Flo, je te laisse la parole pour commencer. Je crois que chez moi, c'est la curiosité. C'est-à-dire que la façon dont je me sors des situations les pires de ma vie, j'en ai traversé, c'est toujours en allant nourrir ma curiosité, en allant apprendre quelque chose. Et ce qui se passe immédiatement après, c'est que si je sais quelque chose, en fait, je ne peux pas imaginer de ne pas le raconter. Et j'ai fini par trouver comment le raconter. Bravo, en étant professeur de bonheur. Voilà. Philippe ? Quand on a préparé, j'avais une vieille histoire qui m'est remontée à l'esprit, mais ça a pas mal d'années quand même, ça date de 84. En fait, moi, en 84, j'ai déjà 25 ans, mais j'ai toujours tout réussi. L'école, l'université, tout. J'ai jamais rien qui s'est mis en travers du chemin, jamais. Donc je suis un emmerdeur, un sale gosse, je suis capricieux, enfin bon, bref. Et là, je cherche du boulot. Puis j'ai trouvé du travail, sans problème, ils n'attendent que moi. Et puis que dalle. Mais quand je dis que dalle, c'est pendant 6 mois, j'envoie des CV et tout ça, et je me fais jeter, mais c'est pas, on me dit non, je me fais jeter, de partout. Vous n'êtes pas ingénieur? Non. Bon, vous n'avez pas fait d'école de commerce? Non plus, dégagé. Vous êtes un juriste? Absolument pas. Terminé. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sociologue, dehors. Bon. Et je sais, et vraiment, ça dure des mois, et je commence, moi qui n'ai jamais déprimé, je commence à plonger. Et ma mère, me voyant son fils, elle n'a pas l'habitude de le voir comme ça, elle préfère me voir comme avant, même si je suis insupportable, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, attends, je me fais jeter de partout. Et elle me dit, et ça a été une révélation, elle me dit, mais qu'est-ce que tu sais faire dans la vie, en fait? Elle dit, mais réfléchis bien, il y a des trucs que tu sais faire, tu ne serais pas arrivé là si tu ne savais rien faire. Je dis, écoute, bon, je sais parler. Ça, je dirais, j'en ai toujours une, ça, je sais faire. Et je sais écrire aussi, c'est-à-dire je sais synthétiser. Je dis, mais en dehors de ça, je ne sais rien faire. En gros, je sais parler et écrire. Alors, c'est un peu juste, quoi. Elle me dit, tu sais parler, tu sais écrire, deviens consultant. Je dis, comment ça? Tout à fait.
tu verras, et c'est tes clients qui vont t'apprendre. Et là, j'ai même dit, mais en revanche, personne ne voudra t'embaucher comme consultant, donc à toi de te débrouiller, lance-toi. Et c'est la première fois où je me suis lancé, sans rien, j'avais pas d'argent, j'avais rien, et je suis un consultant, voilà, bureau, j'étais consultant en rien, donc j'ai inventé, consultant en relations humaines, alors à l'époque c'était les agences patrimoniales qui s'appelaient comme ça avant, et puis j'ai commencé à avoir des clients, je sais même pas pourquoi, et ma vie a démarré, etc. Et ça a été vraiment, là, une fois où je me suis dit, on peut être incompétent, connaître rien à rien, dès l'instant où on a une grande gueule et une détermination, tout peut arriver. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc un des critères, bravo, la grande gueule, on retient. Luc Simonet. Bonsoir, alors vous êtes l'illustration, chacun de vous d'ailleurs, de ce qu'il y a un rapport très direct entre l'optimisme et le courage, parce que pour venir s'enfermer ici par un temps de soleil comme ça, c'est fantastique. Alors, moi, je suis avocat fiscaliste depuis la nuit des temps. Et en 2005, quand mes clients me téléphonaient pour dire « j'ai tel ou tel problème », j'avais envie de dire « je m'en fous ». Et donc, je me suis dit que, c'est, que c'était peut-être le signe que je devais changer quelque chose à ma vie, parce que je pense que quand on n'est plus dans l'enthousiasme, c'est le signe qu'on doit changer quelque chose à sa vie. Et vous savez peut-être que le mot enthousiasme vient du grec, et je suis assis à côté d'un grec, vient du grec entheou atmos, ce qui littéralement signifie dans le souffle du divin. Alors bien sûr, ça n'a rien de religieux, mais en tout cas, l'idée c'est quand même de respiritualiser un petit peu le monde, ou peut-être de faire reculer un petit peu le matérialisme. Et elle vous vient d'où alors cette idée ? Alors en fait, il se fait que quand mes enfants étaient petits et qu'ils disaient « merde, il pleut », je leur disais « il ne faut pas dire merde, il pleut », il faut dire « c'est un beau jour de pluie ». Et puis, j'avais décidé de prendre une année sabbatique et je me suis mis un petit peu au golf comme un débutant. Et puis, il se fait qu'au mois d'août 2005, nous étions en Toscane avec des amis, il pleuvait à seau et ma fille dit « merde, il pleut », je dis « Charlotte, je t'ai déjà dit », etc., etc. Et je dis d'ailleurs, je trouve qu'on devrait créer un parapluie sur lequel on écrirait « c'est un beau jour de pluie ». Et ma fille me dit « arrête un peu avec tes bêtes idées, les idées ça sert à rien, il faut exécuter ». Donc revenant de vacances, j'ai fait imprimer 50 parapluies, c'est un beau jour de pluie, même chose en irlandais. Et puis fin août 2005, je suis invité à un tournoi de golf à Utrecht, aux Pays-Bas, et comme un innocent, je gagne ce tournoi. Donc le soir, je dois faire un petit speech à l'occasion de la remise des prix, et je n'ai pas d'autre inspiration que l'histoire des parapluies que je raconte. Il y a un Irlandais qui est là qui dit « That's fantastic, we need positive ideas ». Et je dis « Oui, d'ailleurs, je trouve qu'on devrait créer une association d'optimistes et 30 Hollandais autour de la table, fantastic, etc. » Et donc, le lendemain, je me suis mis à l'écriture des statuts de cette association. Alors, puis je m'arrête simplement pour vous dire que pour moi, l'optimisme, ça n'est pas uniquement le contraire du pessimisme. L'idée, c'est aussi de dire que, enfin, je veux promouvoir, moi, un optimisme fondé sur la responsabilité individuelle de chacun. C'est de dire que si nous voulons que le monde aille mieux, il va falloir que chacun s'y implique. Et pour moi, l'optimisme, c'est aussi et peut-être davantage encore le contraire du cynisme. Et je pense que cette société dans laquelle nous vivons est en train de virer au cynisme de manière absolument extraordinaire. Et que cette société-là, elle va mourir de son cynisme, au même titre que le communisme est mort de son cynisme, si elle n'évolue pas très très vite vers davantage de fraternité. Voilà. Merci beaucoup. Ilios, ta vocation d'homme qui agit positif. Alors, la vocation, c'est, comme pour beaucoup d'entre nous, deux choses, des rencontres et des expériences. Et dans les rencontres, je pense qu'une des toutes premières rencontres est celle de ma mère. Alors une personne qui avait beaucoup, beaucoup d'énergie positive et qui est passée au travers de beaucoup de difficultés, toujours en gardant un sourire et beaucoup de confiance. Et puis des expériences aussi, puisqu'elle est décédée lorsque j'avais 16 ans, mes deux parents sont décédés d'une année à l'autre. Et je pense que l'expérience était importante parce qu'elle m'a ouvert plus le cœur à une forme d'empathie. Et quand on est ouvert à l'empathie, qu'on se promène un peu dans le monde, en France, en Belgique, un peu partout, on rencontre des gens qui ont tellement de difficultés de vivre qu'il devient difficile de rester assis, même quand notre vie va bien, et de ne rien faire. Et d'autres personnes comme Mathieu Ricard, comme des personnes qui sont assises ici, qui par la force de leur exemple m'ont donné envie de me mettre en route à mon tour. Et ça me fait venir en tête la citation de Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à tous vivre ensemble comme des frères et des sœurs, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots ».
Et voilà, tout simplement, comment ça m'a donné l'envie, peut-être la motivation de mettre voilà, le peu de compétences que j'avais au service des autres. Et on sait bien sûr que ça n'a rien de très généreux, puisque la science nous démontre que ceux qui mettent leur énergie au service des autres sont plus heureux que les autres. Et donc je suis un égoïste intelligent qui a compris qu'en mettant un peu de son énergie au service du monde, il allait vivre plus longtemps et vivre plus heureux. Merci. Christophe, à quand ça remonte tout ça ? Alors, puisqu'on est dans les grands hommes et qu'on vient d'avoir Martin Luther King, moi je vais vous parler de Mandela, et, qui est un peu mon chemin, qui nous dit l'optimisme, c'est d'avoir la tête pointée vers le soleil et les pieds en mouvement. Et donc, moi ça a commencé pour beaucoup il y a 4 ans, mais j'ai eu 20 ans de travail avant. J'étais entrepreneur, comme on l'a précisé précédemment, et puis tout d'un coup, un lumbago, carabiné, comme on le dit. Donc, le corps parle, j'en ai plein le dos, ok, je reçois le message. Mais ma réponse, elle est finalement, il est temps de passer à autre chose. Donc je quitte mon entreprise. Je comprends que pendant ces 10 années d'entrepreneuriat, avec 3 millions de visiteurs uniques, 30 salariés, etc., et un rythme effréné, que je n'avais pas pris soin de moi, du tout, puisque tout était pour le projet, et que je voulais changer le monde, tout d'un coup. Et donc, j'ai entrepris un autre métier, qui est de mettre en marche ce que j'ai appelé ma vie meilleure. Alors ma vie meilleure, c'est quoi ? C'est trois cercles. Le premier, c'est d'abord commencer par soi, bien sûr. Alors j'ai commencé à cultiver mon jardin comme un candide de base, et puis à sortir de ma zone de confort. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un un petit peu différent. J'ai l'air comme tout le monde, mais aujourd'hui, je mange bio à 100%, sans viande, sans poisson. Je médite, je fais du yoga, de la marche. Ma maison est feng shui, géobiologie, écologie. Je filtre mon eau. Gros travail sur la psyché, etc., etc. Donc un vrai chemin de fond qui se fait. Et puis à un moment donné, on se dit, mais ça ne suffit pas, quoi. Et je me suis dit, il faut que je sois utile aux autres, ça me paraît évident. Et surtout, l'impression d'avoir reçu des cadeaux de la vie qu'il fallait rendre. Alors je me suis mis à donner mon sang, à compenser mon CO2, à nettoyer des rivières, sponsoriser des rues, parrainer des enfants, etc. Et puis tout autour de moi, j'avais des personnes qui me disaient « Ouais, le monde va mal, ça va pas du tout, mais alors qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ?» Et là, tout d'un coup, est née l'idée du livre « Impliquez-vous, 101 actions solidaire et écologique pour un monde meilleur », préfacé par Pierre Rabhi, avec une idée simple, c'est chacun peut faire la différence et on peut tous être des héros du quotidien. Et donc ça, c'était le deuxième cercle qui mène au troisième. Le troisième, c'est l'engagement, finalement. Et moi, j'ai décidé il y a 3 ans de mettre 100% de mon temps au service du changement de société avec un ensemble d'initiatives dont on a cité quelques-unes sur l'éducation, rencontre changer le monde, etc. aujourd'hui, et qui me permettent maintenant de mettre sur ma carte de visite non plus entrepreneur, mais initiateur d'idées positives. Voilà, merci. Bravo. Charles ? Ma vocation, elle est née de... D'abord, ma vocation, c'est le combat contre la haine. Et c'est la haine qui empoisonne nos vies collectives et individuelles. Haine des autres et haine de soi-même aussi. Et ma vocation, elle est née de deux éléments dramatiques. Le premier, j'en ai parlé déjà hier, c'est le massacre de mes frères, de mes grands-parents, de mes oncles et tantes, à peu près le même jour, à peu près au moment où moi je naissais, en août 1942. Et cette vocation, elle est venue d'une tentative de comprendre vraiment ce qui s'était passé, comprendre la haine. Et j'ai mis des années, des dizaines d'années à comprendre la haine, et j'y suis un petit peu arrivé. Et puis aussi à inventer des outils, à inventer des moyens de, je dirais, d'atténuer, de faire combattre, d'empêcher cette haine qui pourrit toutes nos vies. Le deuxième élément dramatique, c'est mon enfance avec un père qui était un survivant, qui était un homme totalement illettré, analphabète, en toutes les langues. Il ne savait ni lire ni écrire. Et ce père était furieux quand il me voyait, moi, petit Français qui allait à l'école, prendre des livres. Il était furieux quand il ne voyait qu'un livre. Et il disait, tout le mal sur la terre vient des intellectuels. Vient des gens qui ont fait des études, les étudiants, les intellectuels. C'était sa parole qui, évidemment, était très blessante pour moi à cette époque-là. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, grâce à lui. J'ai appris
que ce sont que les régimes totalitaires se construisent à partir des idées et pas toujours à partir du bon sens des peuples. Et c'est pour cela que dans mon travail, je me dis toujours qu'il ne faut pas travailler entre les gens qui savent, entre les gens qui ont été à l'université, qui savent parler et écrire, mais aussi avec les autres. Et que si on veut créer de l'intelligence collective, si on veut créer vraiment une dynamique collective dans le monde et dans nos sociétés, il ne faut pas éviter de travailler avec ceux qui n'ont pas la parole, avec ceux qui n'ont pas l'habitude de parler, avec ceux qui n'ont pas confiance en eux, avec ceux qu'on méprise très souvent. Et je dirais, ma vocation, c'est aussi, ça a été ça aussi. Ça a été de pouvoir travailler avec tout le monde et de prendre les gens tels qu'ils étaient et de les voir aussi, et c'est là qu'est né mon optimisme à moi, c'est de les voir se transformer. C'est de voir toute l'intelligence qui est partout aujourd'hui, qui est un trésor et qu'on n'exploite jamais parce qu'on écoute seulement ceux qui savent parler. Merci. Merci. Donc dans vos histoires personnelles, il y a deux choses qui sont revenues qui m'ont frappée. Il y a les parents, hein, le papa, la maman, la grand-maman parfois. Et puis il y a les épreuves. Et moi je voulais démarrer peut-être cette discussion sur, encore une fois, les moteurs du passage à l'action. On a tous envie, mais comment on fait ? Et d'abord peut-être il y a un petit préalable à l'action. Tu l'as très bien résumé, Christophe, aussi dans ton parcours, un travail sur soi jusqu'à l'engagement par étapes. Et je me demandais, Charles, avec toi, si le préalable, c'est pas déjà, je pense pas que ça concerne les gens qui sont dans cette salle aujourd'hui, mais quand même, c'est important de le dire, de sortir du déni, voire de la morosité, de la sinistrose, évidemment, mais ça va de soi encore une fois ici aujourd'hui, voire du sentiment d'impuissance, parce que passer à l'action, c'est se sentir fort, c'est se sentir puissant, c'est se sentir agissant, et j'ai le sentiment que dans notre beau pays, on est quand même assez plombé par ce sentiment d'impuissance. On en a largement parlé hier, mais c'est une des caractéristiques françaises aussi, ce pessimisme de raison, soi-disant, pour l'avenir du pays, et qui s'oppose à un optimisme plutôt subjectif, personnel, quand on parle de bien-être. Les individus, nous tous, on se sent plutôt pas trop mal dans nos vies. Donc, est-ce que, pour toi, Charles, passer à l'action, c'est d'abord dépasser ce déni, cette impuissance, et comment on fait ? Oui, il faut aussi comprendre d'où vient cette impuissance. Je pense qu'elle vient de la violence. Mon expérience avec tous les milieux, puisque j'ai l'occasion en thérapie sociale de travailler avec tous les milieux, c'est d'avoir vu que tout le monde avait été blessé et victime de violence. Pas forcément de violence physique, mais des violences d'humiliation, de dévalorisation, de mépris, d'abandon, d'indifférence, de culpabilisation. Tout le monde a été victime, et ça c'est mon expérience, après avoir écouté des milliers de gens, tout le monde a été victime de violence et tout le monde reproduit de la violence dans ses relations avec les autres. Et sous des formes quelquefois très subtiles, humilier les autres, les mépriser, les abandonner, les considérer comme inexistants, c'est quelque chose qui appartient à la vie relationnelle. Et je pense que ce qui nous rend impuissants, justement, c'est à la fois c'est notre propre violence que nous exerçons contre les autres, et c'est aussi la violence des autres. Et je pense que ce sentiment d'impuissance, il est très fort et il nous empêche vraiment d'être heureux. Est-ce que, Philippe, je m'adresse à toi, pardon, j'ai un autre micro ici. Tu en as ? On n'est pas égaux face à la capacité d'agir. Toi qui travailles, comme vous tous, avec des gens positifs, tu as pas mal de cobayes autour de toi. Toi-même, tu es ton propre cobaye, je pense. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en psychologie, nous faire un tout petit cours sur cette inégalité de départ, cette fameuse question de l'inné, de l'acquis. Donc face à l'optimisme, on l'a largement évoqué hier, mais face à la capacité d'agir. On parle souvent beaucoup d'un manque de volonté. Oui, j'ai pas la volonté, il a pas la volonté. Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais la volonté, c'est pas un concept de psychologie, franchement. C'est un concept de morale.
Bon. Nous sommes d'accord. Alors si on fait de la morale, alors là, bon, la volonté. Ce qu'on constate, par exemple, en psychologie du comportement, c'est que les gens dont on dit qu'ils n'ont pas de volonté sont des gens qui ne savent pas utiliser leur imagination, par exemple. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à bâtir une image forte, à se focaliser dessus, comme par hasard. Quand on bâtit une image forte, qu'on se focalise dessus, la volonté semble se mettre en place aussi. Être incapable de s'arrêter de fumer, c'est surtout être incapable de se voir de façon focalisée, être devenu un non-fumeur heureux. Enfin, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a beaucoup... Mais notre imaginaire est une force aussi très, très puissante. Alors, on n'est pas égaux. Ça dépend, parce qu'on se rend compte que dans nos vies humaines, par exemple, nous avons des points communs. Par exemple, nous tous sans exception, nous avons été des enfants, des bébés, extrêmement optimiste et positif. La preuve, nous avons tous vécu ça, sans exception. On s'est cassé la figure, on s'est relevé des centaines de fois avant d'arriver à marcher. Et à aucun moment, on a vu un bébé pessimiste qui, d'un coup, dit « Tiens, je m'arrête, ras-le-bol, je marcherai jamais, on s'en fout, on n'est pas tous égaux dans la vie, salaud de riche. Enfin, » bon, de même qu'on n'a jamais vu un gosse, dès l'instant où le cerveau fonctionne bien, renoncer à parler, renoncer à interagir. Ou si, par hasard, ce renoncement arrive, il est le fait d'un trouble qui... Mais dans le fond, il est normal de ne jamais renoncer. Jusqu'à un moment, c'est quand on commence à être éduqué. Ah, alors là, l'éducation arrive, et là, on va commencer à apprendre que, attention, tout n'est pas possible. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que le fait d'avoir un rêve, mais c'est le prix à payer, dans le fond, pour être éduqué, c'est qu'il y ait certains rêves qui vont être peut-être un peu brisés. Et toute le combat de l'adulte va être de se rebrancher progressivement sur son désir, sur sa capacité. Un certain nombre de barrières ont été bâties à l'intérieur de nous-mêmes par nos parents, par nos éducateurs, par la société aussi. Ben, les barrières sont là pour nous empêcher d'être des individus totalement désocialisés et de virer sociopathes. Dans le fond, c'est pas mal en tant que tel. Mais la vie venant, à un moment donné, je crois qu'il est très important pour l'individu, et entre autres pour lutter contre la violence, de se poser, dans le fond, la seule question fondamentale, et je dis bien, c'est une question très égoïste, parce que si on ne se la pose pas, on ne pourra jamais aider autrui. C'est de se dire, mais dans le fond, moi, de quoi j'ai vraiment envie ? Moi, ce que je trouve formidable, par exemple, dans l'exemple qui a été donné, c'est qu'à un moment donné, Christophe raconte une histoire où il dit, voilà, progressivement, dans le fond, la façon dont je vis aujourd'hui, quelque part, elle était en moi, mais la première vie qui était la mienne m'empêchait peut-être aussi de l'actualiser. Mais ça pourrait être aussi une autre vie. Moi, je rappelle toujours dans les mémoires de Casanova, à la fin de sa vie, Casanova, il est dans les derniers mois de sa vie, et il y a une phrase, à un moment donné, que je trouve, moi, formidable, il dit, de toute façon... Rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se réconcilier avec soi-même, c'est aussi se réconcilier avec les désirs que l'on a. Et on n'a pas de jugement d'ordre moral à porter là-dessus. Mais que chacun se retrouve. Moi, je crois qu'il y a deux questions fondamentales qui sont en nous. C'est de quoi j'ai vraiment envie. Et pour ne pas répondre n'importe comment, il y a une deuxième question qui va immédiatement derrière. C'est comment de vivre avec moi. Quand on arrive à répondre à ces deux questions-là, on a fait un gros, gros, gros chemin sur le développement de soi et on n'a peut-être pas toujours besoin de psychothérapie. Merci. Alors, d'où vient, Elio, cette propension ? Je me tourne vers Claire parce qu'on va activer un peu nos engins technologiques. Elio, cette propension à voir du négatif partout. On vient de voir avec Philippe qu'elle n'est pas... a priori biologique, hein, c'est pas génétique, et il y a peut-être quelques petites explications, mais c'est surtout de l'éducation, hein, c'est ce que nous a dit beaucoup Philippe. Comment tu analyses ça ? Il y a quand même des paramètres génétiques. On est soumis à la génétique, par exemple, il est quelle heure là ? Il est 15h plus ou moins ? La digestion fait son travail, regardez, pour ceux qui peuvent voir ici, certains d'entre vous sont profondément endormis, d'autres sont un petit peu fatigués. Et donc, c'est génétique, vous n'y pouvez rien, vos rythmes biologiques ont un effet sur votre attention, et la personne ne se réveille toujours pas. Et heureusement, sinon elle serait vexée de m'entendre. Alors, je voulais, parce que Philippe, c'était déjà, il parle très bien, comme il vous l'a dit, mais à la fin, j'étais déjà, voilà, je comprenais déjà plus rien. Et donc, pour voir si vous êtes un peu plus intelligent que moi, et si vous comprenez encore ce qui se passe ici, je vous propose un petit test. Vous êtes certainement extrêmement optimiste, on va voir si votre niveau d'attention et d'intelligence attentionnelle est à la hauteur de l'optimisme, et donc le test va arriver à un moment ou l'autre. Claire, quand tu veux. Oui. Alors ne l'envoie pas, non, arrête, stop. Il ne faut pas l'envoyer. En fait, il faut le mettre sans l'envoyer. Remettez-le au début, je vais vous l'expliquer. Sur pause.
Il faut le mettre sur pause. Voilà. Alors voilà, le test est très très simple. Il dure 30 secondes. Alors, vous allez voir, il y a des jeunes qui jouent au basket. Certains ont des t-shirts blancs, d'autres ont des t-shirts noirs. D'accord ? Tout simple. Il y a deux ballons. Un ballon qui est passé entre les joueurs en blanc, l'autre entre les joueurs en noir. Je vais vous demander de compter uniquement les passes faites entre les joueurs en blanc. Ça va vous demander un grand effort attentionnel, puisqu'il y a deux ballons en même temps. Et donc, en fonction de la marge d'erreur, on va pouvoir mesurer si vous êtes intelligent, à Paris, à 15h de l'après-midi. Et donc voilà, on ne triche pas, hein, c'est totalement scientifique, donc on va pouvoir mesurer ça aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, jouez le jeu, pour ceux qui connaissent le test, qui connaissent le nombre de passes, ne dites pas à votre voisin, et ne faites aucun bruit, parce que si vous-même, vous riez, vous parlez, vous allez déranger les personnes, et donc, ils vont penser être bêtes, c'est simplement que vous les avez dérangés. Donc, c'est clair, il faut compter le nombre de passes entre ceux qui ont des t-shirts blancs. C'est lancé. Alors, qui parmi vous pense qu'il y a eu 20 passes ou plus ? Personne. Et qui pense que c'est dans les 15 ? 15, ok. C'est pas terrible, Paris. Hein ? Qui pense que c'est plutôt 13 ? Ok, beaucoup mieux. Pas beaucoup d'intelligence dans la salle. 11, mais je suis désolé, hein, c'est scientifique. Alors, la question importante, c'est qui parmi vous, et soyez honnête, qui parmi vous n'a pas vu le gorille ? Et si vous n'avez pas vu le gorille, levez la main. Non, je ne dis pas de bêtises. Vous n'avez pas vu, levez la main très haut. Levez la main très haut. Voilà. Regardez autour de vous, il y a 80% de la salle, vous pouvez baisser les bras, il y a 80% de la salle qui n'a pas vu un gorille de 2 mètres de haut traverser l'écran. Alors, vous ne me croyez Bravo. Pas. Vous ne me croyez pas. Et je vais vous demander de repasser la vidéo, je suis désolé, juste pour vous montrer que c'est vrai, le gorille est apparu. Vous allez voir, c'est la même, hein, je ne triche pas. Alors, il faut même pas bien regarder, il est grand le gorille. Alors, lorsque je montre, voilà, il y a toujours des gens qui disent c'est un autre film. Et pourtant, il y a 20% de personnes ici que je n'ai pas pu mettre dans la confidence. Et donc, c'est voilà, vous n'avez pas vu le gorille. Et tout ça pour dire que contrairement, je vais compléter, c'est pas ce qu'il a voulu dire à ce que dit mon ami Philippe ici. Bien sûr qu'il y a une raison biologique pour laquelle nous regardons en général d'abord le négatif. On a été câblés, l'être humain, vous et moi, ont été câblés par l'instinct de survie pour être présent d'abord au négatif. C'est important. Dans l'histoire de l'évolution, il a fallu d'abord regarder l'animal qui menace, les dangers, tout ce qui est dangereux pour nous, avant de regarder ce qui peut nous épanouir. Et le problème, c'est que le système émotionnel qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, qui est extrêmement perfectionné, est toujours le même, et il nous propose de toujours d'abord faire attention au négatif, à ce qui nous menace, avant d'aller voir ce qui nous fait du bien. Et une des clés de l'optimisme, et là je dirais en reparlant de volonté, c'est une phrase d'Alain qui dit que le pessimisme est d'humeur, mais que l'optimisme est de volonté, c'est notre capacité à diriger notre attention et notre regard. Et ça, nous pouvons tous le faire. Et la question, ce n'est pas d'inventer un monde plus beau, de manquer de lucidité, de regarder le monde comme il ne l'est pas. C'est d'avoir vraiment un regard extrêmement lucide, mais dans une même situation, de pouvoir choisir de regarder où tout ce qui nous manque, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est difficile, ou alternativement de porter le regard sur ce qui va bien dans nos vies. Et remarquez que si on porte attention à une chose, je vous ai manipulé, bien évidemment, en vous disant de regarder les t-shirts blancs, on n'avait pas vu ce qui était relié au noir, qui était le gorille. Mais c'est la même chose dans la vie, lorsqu'on est complètement capté par l'environnement, ce n'est pas de votre faute, évidemment, par de grandes difficultés personnelles, sociales, émotionnelles, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a de beau, de positif dans votre vie, et donc vous ne pouvez pas avoir l'énergie d'aller de l'avant. Alors il n'y a rien à inventer, il y a simplement à apprendre à diriger son attention et de faire ce travail de passer l'attention de ce qui ne va pas, qui nous capte, qui est extrêmement fort, vers ce qui va bien, qui est réel et qui est toujours présent dans nos vies, même si c'est très petit. Merci beaucoup. Christophe, bravo à vous et bravo à ceux qui ont vu le gorille. Ils sont sur le bon chemin pour passer à l'action. Encore une fois, je reviens sur le thème de notre discussion, c'est le déclic. Hein, c'est un petit peu aussi, voilà, donc on a vu le milieu évidemment duquel on vient, c'est important, les rencontres, l'attention à l'autre. Christophe, tu navigues au milieu d'une galaxie de gens tous plus actifs les uns que les autres.
On les appelle parfois, il faut bien mettre tout le monde dans des cases, c'est un peu aussi une spécialité française, les créatifs culturels, vous avez déjà sans doute entendu ce terme, c'est une catégorie un petit peu fourre-tout, mais bon, au moins c'est un nom pour qualifier des initiatives très très diverses, dans des domaines très très divers. Et toi qui connais vraiment de très près tous ces gens, qui en est l'un d'eux, le porte-parole on pourrait presque dire, est-ce que tu peux synthétiser, imaginer, enfin faire un peu pardon, la synthèse dans leur biographie justement, dans leur vie à eux, à tous ces gens qui se sont engagés, des éléments de déclic? Est-ce qu'il y a des points communs dans tous les gens que tu fréquentes et, qui, et dont nous sommes hein, ici, tous parties prenantes, de ton expérience et de toutes les rencontres que tu as faites? Est-ce que c'est des gens qui font des crises de milieu de vie et qui tout d'un coup, voilà, après avoir eu des parcours dans des vies très normées, très speed, avec des quêtes assez matérialistes, souvent tout d'un coup ont une prise de conscience et commencent à s'ouvrir un peu et à devenir plus attentifs aux autres? Comment tu vois ça? Alors, je vais ajouter une pièce au puzzle du coup qu'on a entendu. Ce que je vois moi beaucoup et ce que je ressens très profondément, parce que c'était aussi mon parcours, c'est l'autonomie. C'est la capacité à être autonome. C'est la capacité à être différent au milieu d'un milieu social qui va dans un sens dans lequel on ne veut pas aller. C'est la capacité à être ne plus parler de ces deux animaux qui font fureur aujourd'hui dans la société, qui sont le mouton et l'autruche. Voilà, alors peut-être qu'on est sur du singe, hein, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour ces deux animaux, je nous invite à la mettre dans chacune des poches et puis d'avancer différemment sur nos chemins. Et cette capacité d'autonomie, d'autonomisation, les Américains l'appellent l'empowerment, les Québécois l'appellent l'impuissance, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mot en français. C'est très amusant. Il n'y a pas de mot en français pour ce terme qui est tellement important dans nos sociétés d'aujourd'hui. Il y a aussi, on va rappeler, faire un petit hommage à Stéphane Hessel avec son Indignez-vous. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans son Indignez-vous? Le plus grand fléau de l'humanité, c'est l'indifférence. Et donc, la question de fond, c'est comment on réagit face à ce qui se passe dans le monde. La violence, on en parlait, mais beaucoup d'autres choses. Et il y en a qui réagissent en se mettant la tête sous l'oreiller, et puis d'autres qui réagissent en activant un certain nombre de choses chez eux qui sont de l'ordre de l'autonomie. Simone Veil nous disait « La pression sociale est le cheval qui nous mènera à l'apocalypse ». Donc la question, c'est quand nous, au niveau individuel, on peut se déconditionner, presque se déconstruire, ça a été mon cas chez moi, mais déjà se déconditionner par rapport à la société d'aujourd'hui. Je vais vous prendre un cas très concret d'une personne qui s'appelle Catherine Bertillier, qui est d'ailleurs venue présenter il y a quelques mois son projet ici, qui a créé un projet qui s'appelle Chamengo. Ce sont des petites vidéos sur Internet que vous pouvez aller voir, de pionniers du nouveau monde, issus du monde entier. Chamengo, pour ceux qui le souhaitent. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle a été grande reporter pendant 20 ans. Vous avez tous vu ses documentaires, Envoyé spécial, etc., sur la télévision française. Et puis elle arrive en Afrique pour un autre de ses documentaires. Alors bien, inutile de vous dire qu'elle avait vécu l'intégralité de la sombritude du monde. Ça allait des sectes, au trafic d'organes, etc., etc. Au bout de 20 ans, elle est encore heureuse d'être vivante parce qu'elle a fait des reportages avec la mafia et autres. Et puis elle arrive dans ce petit village africain et elle voit les petits enfants jouer avec une lumière. Et elle se rapproche et elle demande mais d'où ça vient cette lumière, etc. Et elle se rend compte que c'est un entrepreneur social qui avait créé ce produit qui, dans la journée, était en photovoltaïque, donc prenait la lumière du soleil, et la nuit, amenait de la lumière dans des villages africains qui étaient totalement obscurs. Et voyez comment cet simple objet pouvait changer leur vie. Et tout d'un coup, elle a eu le déclic chez elle, sa lumière personnelle, qui était de dire... Ça y est, j'en ai marre de mettre ma caméra sur le sombre dans ce monde. Je veux le mettre sur la lumière. Et donc, elle a monté ce projet il y a 3 ans. Elle a fait la tournée de tous ses anciens copains qui lui ont dit « Catherine, c'est super, hein, génial. Ça ne marchera jamais, hein, mais c'est super. » Et puis, en finale, avec l'enthousiasme qu'elle a mis en place et cette volonté d'activer une lumière dans le monde totalement différente, de manière autonome, elle a avancé sur son projet qui vit aujourd'hui, qui se développe
Comme ce n'est pas permis, elle, bien sûr, elle a trouvé des modèles économiques imaginatifs. Elle a des étincelles dans les yeux. Elle se demande pas, elle n'attend pas des autres que d'avancer sur ce chemin de projet. Donc, chaque jour qui passe, elle active ça. On parlait des créatifs culturels, bien sûr, c'en est une. Je ne pense pas que tout le monde connaisse cette notion ici. On va simplement la rappeler de manière brève. Les créatifs culturels, ce sont un sociologue et une psychologue qui ont travaillé aux États-Unis. C'est un livre qui est sorti qui s'appelle « L'émergence des créatifs culturels » aux États-Unis, après 100 000 questionnaires. Et ces deux personnes ont compris que dans la société américaine émergeait une typologie commune autour de valeurs. Alors les valeurs, c'est les valeurs féminines, la psychologie, l'écologie, la spiritualité, l'ouverture multiculturelle au monde, la solidarité, etc. Et donc, toutes ces valeurs, en fait, étaient partagées par un certain nombre de personnes qui ne savaient pas qu'elles les partageaient. Et ça représentait, on parle du début des années 2000, 30% de la société américaine. Donc, tous les mouvements qu'on a connus, écologiques, sociaux, etc., la société américaine, étaient une des branches de ce grand mouvement de fond. Et des observateurs se sont dit, c'est cette typologie qui a permis de faire élire Barack Obama aux États-Unis, par exemple. Et dans la France, d'aujourd'hui, il y a aussi 30% de créatifs culturels. Et donc, tous ces gens-là, au fur et à mesure, activent quelque chose chez eux. Alors, ils peuvent rester dans leur petite fermette et activer les choses de leur côté. Et puis, un certain nombre se dit, je vais faire quelque chose pour le collectif de manière plus importante. Appelons ça de l'engagement. Et cet engagement, effectivement, sont les personnes moi, que j'accompagne, que je vois, que je mets en relation et que j'essaye de porter plus loin, plus fort, parce que c'est exactement ces initiatives positives dont on a besoin dans la société française. Charles, tu voulais réagir ? Oui, pas tout à fait sur ce qui vient d'être dit, mais je partage d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'on oublie quelque chose, on oublie un obstacle à agir positif qu'il faut absolument dépasser. Cet obstacle, c'est la victimisation. C'est-à-dire, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, je n'y suis pour rien, et c'est vrai que nous avons besoin de faire un gros travail sur la responsabilité, sur la prise de conscience de ce que nous faisons dans le monde, de ce que nous faisons dans nos relations quotidiennes avec les autres. Et pour moi, cette sortie de la victimisation, c'est elle qui permet de s'engager et de devenir un être créatif et positif. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter également, qu'on oublie aussi, c'est que si on veut créer une dynamique positive, une dynamique collective, il ne faut pas travailler qu'avec les gens de son propre milieu. Il ne faut pas travailler qu'avec les gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous, et se méfier, ou quelquefois même haïr, les autres milieux, les gens qui ne pensent pas comme nous. Et mon expérience m'a montré à quel point on pouvait sortir du pessimisme quand on arrivait à voir cette fraternité dont on a parlé tout à l'heure, cette communauté d'intérêts entre des gens qui, au départ, sont des ennemis. C'est-à-dire les créatifs culturels, oui, les milieux associatifs, oui, mais aussi les gens qui votent Front National. C'est-à-dire ce qui nous fait crever de pessimisme dans notre société, c'est cette ghettoïsation qui nous empêche de travailler tous ensemble. Merci Charles pour ta passion. Je pense qu'on n'est pas très très concernés ici. Je nous sens assez privilégiés et tous acteurs déjà. Hein. Le fait d'être là, c'est déjà une action. Merci. Mais je voulais peut-être demander à Florence d'incarner un peu tous ces discours en nous montrant que peut-être on peut provoquer une mise en état d'esprit, induire un état d'esprit positif en chacun de nous, en chacun de soi. Et j'aimerais bien qu'on en fasse un peu l'expérience. Je pense que c'est important aussi que vous, public, vous soyez agissant et acteur de cette table ronde. Et Florence va peut-être nous proposer quelque chose pour nous mettre vraiment de très, 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 très bonne humeur. Ah bon ? Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, moi, je vous regarde. J'ai un fauteuil qui est extrêmement bien placé pour vous voir. Et je vois quand vous êtes intéressé, je vois quand vous êtes touché, je vois quand vous avez envie, je vois quand vous dormez. Je vois absolument tout.
Et ce qui me réjouit, c'est précisément de voir que vous avez envie, parce que pour changer, pour peut-être introduire un tout petit peu de légèreté, nous avons besoin de trois choses très simples. La première chose, c'est que nous avons besoin de comprendre pourquoi diable est-ce que nous irions changer. Ça sert à quoi ? Donc je comprends intellectuellement à quoi ça sert, et Charles l'explique très bien, on comprend très bien pourquoi on a besoin de changer. Mais ensuite, j'ai besoin de sentir. C'est-à-dire que ce changement-là, qu'est-ce que ça provoque chez moi ? Qu'est-ce que je sens ? Et c'est seulement quand les deux sont alignés que je peux aller vers le troisième, qui est d'agir. Et c'est à ce moment-là que je vais me lever. Et on s'est rendu compte comme ça que, par exemple, parmi les médecins américains, il y avait un taux de médecins non seulement en surpoids, mais fumeurs absolument considérable. Ce qui prouve bien que l'éducation ne suffit pas. Ce n'est pas parce que nous savons que nous allons aller vers ce qui va nous faire du bien. Donc on a aussi besoin de ressentir les choses. Et ressentir, parfois, c'est tellement simple. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est tellement simple, c'est presque embarrassant, parce que ça s'appelle un état d'esprit positif. L'état d'esprit positif, pour vous raconter une histoire, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est l'histoire d'une expérience qui a été faite dans une université où on est allé chercher des médecins. Alors de nouveau, voici quand même des gens absolument hyper éduqués que l'on fait venir. Et on va les séparer en deux groupes. Ça se passe comme ça en général des études en psychologie, c'est qu'il y a un groupe auquel on va faire quelque chose et puis il y a un groupe auquel on ne fait rien du tout, ça s'appelle un groupe de contrôle. Donc on fait venir tous ces médecins, ce sont vraiment des vieux de la vieille, et on va leur demander d'établir un diagnostic. Mais avant ça, il y a une moitié donc de ce groupe, le premier groupe, que l'on a mis dans un état d'esprit positif. Voilà. Alors, donc, on fait ça, et puis on les réunit, et on distribue un dossier médical, ils ont le même, tous, et on va s'intéresser à la façon dont ils vont travailler, dont ils vont l'établir, dont ils vont établir donc un diagnostic à partir de ça. Donc voilà, ils se mettent à bosser, et puis là, on se rend compte que ceux qui ont été mis dans cet état d'esprit positif ont fini plus vite que les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'abord, ils n'ont lu que 30% de ce qu'on leur a donné. Déjà, ils sont allés beaucoup plus vite, mais surtout, on a regardé leurs notes pour essayer de voir comment ils avaient établi un diagnostic. Alors, ce sont quand même des gars qui s'y connaissent, donc tous les diagnostics étaient semblables et étaient évidemment bons, on allait sauver le patient. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a chez les médecins, quelqu'un est médecin ici ? Ah, nous avons madame. Il y a un phénomène qui a été identifié qui s'appelle le phénomène d'adhérence. Le phénomène d'adhérence, c'est la tentation de plaquer sur le dossier de monsieur Dupont le diagnostic de madame Durand de la semaine dernière, parce que ça ressemble quand même furieusement. Et là, on s'aperçoit de nouveau que ceux qui ont été mis dans cet état d'esprit positif, n'ont été tentés par aucun phénomène d'adhérence. Il n'y en a pas eu du tout. Donc, ils ont été plus créatifs, plus inventifs, plus libres dans la façon dont ils ont établi leur diagnostic. Donc, en gros, on résume, ils ont été plus synthétiques, ils ont été plus rapides, ils ont été plus créatifs. Que diable a-t-on fait à ces médecins, vraiment des vieux de la vieille, hein, j'insiste, pour les mettre dans cet état d'esprit ? Une idée ? On les a fait rire ? On aurait pu ? De la lumière, du soleil ? De la musique, ça aurait pu. Un souvenir agréable. Eh bien, figurez-vous qu'on leur a tendu une sucette. Et le simple fait de dire « Tiens, c'est pour toi », le simple fait qu'un autre être humain vous dise « Tiens, c'est pour toi », provoque quelque chose qui s'appelle un phénomène d'élargissement. Le phénomène d'élargissement, c'est une irrigation du cerveau, pour être un peu synthétique, justement. C'est une irrigation différente qui fait que nous sommes plus coopératifs, notre mémoire s'ouvre, nous allons donc mieux retrouver les informations en présence desquelles nous sommes plus créatifs, nous sommes plus inventifs, nous sommes plus rapides. Vous pouvez mettre ça bout à bout, pour moi ça s'appelle être plus intelligent. Et de simplement s'être marré, alors ça c'est vraiment le meilleur moyen, c'est pour ça merci Elios de nous avoir apporté le gorille, parce que ça c'est pour ça que j'aime vous regarder, parce que je sais à partir de quand vous écoutez, et quand vous avez rigolé, quand simplement on s'est dit bonjour, quand on s'est regardé dans les yeux, on sent l'effet que ça peut faire, et c'est ça qui donne envie de faire autrement aussi, et qui nous rend tout simplement plus intelligents. Bravo, merci Florence. Donc on agit sur nous-mêmes, on est d'accord ?
dans ce premier temps de notre discussion, on est tous dans l'action sur soi. Luc, je voulais vous demander, vous avez travaillé sur vous, comme on dit dans nos milieux. Alors, moi personnellement, j'ai fait une thérapie et une psychanalyse il y a très longtemps, mais c'est un petit peu... Et il a survécu. Ah, voilà, j'ai survécu. Voilà. Alors, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en réalité, pour moi, l'optimisme relève d'abord d'une décision. Au fond, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, je suis le maître de chacune de mes pensées et pas l'inverse. Ce qui pose, bien sûr, en amont la question socratique de savoir qui je suis, mais ça, je laisse à l'intimité de chacun. Si je suis le maître de chacune de mes pensées, je suis une personne responsable. Si j'ai ce pouvoir, cette liberté sur ma pensée, je suis responsable de ma vie, de mon environnement, responsable pour le monde. Donc, au fond, c'est ce qui nous permet justement de participer au monde. C'est l'optimisme pour moi. C'est vraiment la prise de conscience de ce que j'ai le pouvoir de participer à l'amélioration du monde. Et donc, ça me donne évidemment une grande joie. Et l'idée de partager cette idée avec plusieurs personnes, ça augmente encore considérablement ce pouvoir. Et je l'ai bien vu quand nous avons lancé la Ligue des Optimistes en Belgique, c'est une association qui aujourd'hui compte 5000 membres, 17000 personnes ont adhéré à la newsletter. Nous avons créé la même chose en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, dans plusieurs pays en Afrique, et puis l'association internationale Optimistes sans frontières. Et donc je me dis que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons réellement améliorer le monde, le rendre plus juste, plus humain qu'il ne l'était aujourd'hui. Et qui sont ces membres alors ? Qui sont ces gens qui s'inscrivent à la Ligue des Optimistes, qui organisent des dîners, des choses ? Florence est membre apparemment. Hein. Ah oui. Et Philippe, oui, évidemment. Oui. Alors, en réalité, quand j'ai créé cette association, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur. J'ai créé cette association en octobre 2005 en Belgique. Et puis, ça a vraiment explosé. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, une nécessité. Je pense que nous avons vraiment besoin de participer à un nouveau monde. Il y a là une émergence d'un nouveau monde. Moi, je l'ai appelé l'Optimistan. Et l'Optimistan, c'est un nouvel état, c'est un état poétique, un état métaphorique, dont les optimistes seraient les citoyens. C'est l'état de conscience, un nouvel état de conscience, selon cette formule de Théard de Chardin qui disait que, à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Donc, la proposition que je fais, c'est créons ensemble un nouvel état de conscience que nous appellerons l'optimistan. Et l'idée, c'est que chaque membre de toutes les associations d'optimistes du monde entier recevront un vrai passeport de l'optimistan. Donc un passeport où on pourra sourire, contrairement à ceux, je crois, qu'on nous fait actuellement, où nous sommes tenus de faire la tête. Je voulais ajouter que, effectivement, je pense que la résignation, c'est la pire des pollutions. Et que, vraiment, nous avons le pouvoir de changer le monde, de le rendre meilleur. Alors, j'aime bien aussi cette pensée de Emmanuel Kant qui disait « Il faut agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons. » Or, il se fait que si le monde entier se mettait à vivre selon le modèle, je dirais, d'une société de surproduction et de surconsommation de biens à faible bonheur ajouté que nous avons inventé ici en Occident, eh bien, si le monde entier se mettait à vivre selon ce modèle-là, eh bien, la vie sur Terre ne sera plus possible pour nos enfants. Donc, je dis que nous avons là un devoir éthique, un devoir impérieux, d'inventer un nouveau modèle de vivre ensemble qui, s'il était appliqué par le monde entier, pourrait fonctionner. Alors, merci. Je pense que ça commence, ce nouveau monde, par un sourire. Je voulais juste faire une petite demande à Philippe Gabillier, qu'on a interviewé dans le dernier Psycho, et qui nous dit, ce que savent tous les experts de la psychologie positive, que faire semblant, c'est déjà faire. Et faire semblant de sourire, c'est déjà...
indiquer à son cerveau qu'on sourit. Est-ce que tu peux nous expliquer ça rapidement, Philippe? Ou Florence, je fais un petit putsch. Je t'en prie. Je voulais juste en profiter pour redescendre d'un étage par rapport à ce que Luc vient de nous dire. Quand on dit nous sommes puissants, je voudrais juste vous expliquer comment on fait pour se sentir puissant, parce que moi j'étais obligée d'apprendre. Moi je ne suis pas du tout arrivée avec un style d'interprétation optimiste, ça m'a demandé beaucoup de boulot. Il faut déjà, dans votre vie de tous les jours, reconnaître non seulement vos victoires, mais en quoi vous êtes responsable de vos victoires. Je vais vous donner un exemple très rapide et comme ça vous aurez compris. Quand 3 kiffs par jour est sorti, 3 kiffs par jour, donc c'est un livre, c'est vendu très bien tout de suite. Alors comme je ne suis pas du tout, voilà, comme je vous dis, ça me demande quand même un peu pas mal d'efforts de sentir la puissance, je me suis dit, au bout d'un petit moment, je me suis dit, bon c'est chouette, mais ça y est, j'ai compris pourquoi. Pourquoi ça se vend, c'est parce que la couverture est très sympa. C'est évidemment la seule chose que je n'ai pas faite. Et il m'a fallu 3 semaines pour me rendre compte que les gens ne rapportaient pas le livre pour être remboursés. S'attribuer ses victoires, c'est ça. Quand on vient dîner chez vous, que vous avez fait la cuisine et qu'on vous dit c'est très bon, ne répondez pas, c'est facile. Dites, c'est vrai. Merci pour ce putsch. Oui, par rapport à ce que tu venais de dire, je crois qu'effectivement, notre cerveau, il fonctionne par beaucoup de strates, quoi. Et on a une strate qui est celle qui est la plus active. Par exemple, en ce moment, là, on est concentré, on écoute des choses, on est dans la rationalité. Mais dans le fond, au fond de nous-mêmes, il y a toujours ou un petit garçon ou une petite fille qui a peut-être que 9 ans, 10 ans, puis il est resté sur ce niveau-là. Et ce petit garçon ou cette petite fille de 9 ans qui continue à vivre à l'intérieur de nous-mêmes, quel que soit le nom qu'on lui donne, lui ou elle, il fait pas tellement la différence entre la réalité et la fiction. Par exemple, c'est ce qui fait que quand on est au cinéma, c'est aussi bête que ça, quand on est au cinéma et qu'on voit un film très, 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 très émouvant... on pleure comme une madeleine, mais en fait, il y a une partie de nous-mêmes, qui sait qu'enfin, c'est pas sérieux, on est dans un cinéma, on a payé pour être là, c'est des acteurs, etc., c'est de la lumière sur un écran, et pourtant, il y en a un qui pleure. Lequel est le vrai? Les deux. Donc, moi, quand je dis c'est vrai, je dis de façon à certaines personnes qui me disent, mais vous savez, moi, monsieur Gabillet, je suis pas optimiste. Je dis, mais c'est pas grave, faites semblant. Faites semblant, parce que d'abord, le fait de faire semblant, il va se passer des choses. C'est le philosophe Alain qui disait, dans le fond, fréquenter un optimiste, c'est fréquenter le printemps. C'est-à-dire qu'on va avoir une attitude, et l'idée, oui, mais c'est pas naturel. Moi, vraiment, j'attire l'attention de tout le monde. L'idée selon laquelle, parce que c'est naturel et sincère, ça aurait plus de poids, je pense que non, parfois on fait semblant d'être en colère vis-à-vis de nos enfants. Heureusement, on n'est pas vraiment en colère, mais on fait semblant parce que ça fait aussi partie d'un jeu social. L'optimisme, c'est parfois comme une posture de yoga. Il n'y a rien de plus antinaturel qu'une posture de yoga. Quand on fait du yoga, on dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je ne vais jamais pouvoir me défaire de ce truc-là. Et on n'aurait jamais fait ça si quelqu'un ne nous l'avait pas appris, quoi. Et à force de le faire, ça va mieux. Pour un certain nombre d'entre nous, l'optimisme, c'est ça aussi, cette espèce de posture, mais non pas une posture du corps, une posture de la pensée. Et c'est vrai que sourire peut être une de ces postures du corps, mais qui va à l'intérieur, voilà, de nous-mêmes activer un certain nombre de choses. Je pense qu'on doit... je crois que c'est la fille de... On attribue souvent ça à Voltaire, mais ce n'était pas Voltaire qui l'a dit. Je crois que c'était la fille de Marie Curie, qui était Eva Curie, qui disait il est poli d'être gay. Oui, parce que dans le fond, être gay et de bonne humeur, et ça c'est Charles Trenet qui disait, la bonne humeur c'est une discipline, c'est aussi quelque chose, je trouve, qu'on doit aux autres. Pour ma part, moi, je ne suis pas convaincu par le sentiment, la transparence absolue. Je suis au fond du seau, je vais par, je dirais, authenticité, le signifier au monde entier autour de moi. Non, je préfère, par certains moments, être celui dont on s'est souvenu, en tout cas ce jour-là. La personne qui est en face de moi ce jour-là, elle n'a rien à faire de mes états d'âme. Elle a peut-être besoin d'avoir juste en face de lui un homme ou une femme qui lui a apporté quelques secondes un peu d'intensité positive. Je trouve ça plus sympathique. Donc si ça ne va pas trop, faites semblant. Hein. Merci beaucoup, Philippe. Et... petit détour aussi par la science, je ne sais pas qui veut répondre, mais je crois qu'il y a pas mal d'études récentes qui nous ont expliqué que le sens de l'empathie, le sens de l'autre, le sens de l'altruisme se développait en fait encore plus tôt qu'on ne croit chez les petits enfants, dont les réflexes spontanés, naturels, quand ils voient un adulte en difficulté, sont de l'aider. Est-ce que quelqu'un veut... Florence, tu veux nous raconter ça ? C'est Jacques Lecomte qui parle de ça, ouais. Qui est un chercheur français.
en psychologie positive, donc signalons-le, il y en a quand même ici aussi, et qui justement parle de la bonté humaine. Et il parle d'une expérience où si on met un tout petit enfant, mais vraiment très très petit, face à un adulte qui est en train de faire quelque chose qui n'arrive pas à le faire, en fait l'enfant va essayer de l'aider. Donc par défaut, nous ne sommes pas mauvais, par défaut, nous sommes bons. Ouais, c'est une bonne nouvelle à signaler quand même à l'Assemblée. Christophe ? Oui, c'est bien, on parle des enfants. Moi, je voulais rebondir justement sur ce sujet-là. Je vois qu'il y a quelques enfants dans la salle. J'aimerais bien que l'année prochaine, il y ait des enfants sur la scène. Ce serait une bonne idée, non ? Très jolie idée. Et justement, sur les enfants, moi, j'ai co-initié un autre printemps qui s'appelle le printemps de l'éducation, qui est là pour changer l'éducation en France et rendre les enfants heureux, avec une personne qui s'appelle Antonella Verdiani, qui fait de l'éducation à la joie. Moi, je pense aussi, j'ai l'intime conviction qu'on va changer notre société en laissant les enfants être ce qu'ils sont, et non pas en voulant les changer en travaillant sur leur disposition spontanée. Je pense que ça, c'est important de le comprendre. Aujourd'hui, tous nos enfants sont totalement conditionnés dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, et on peut travailler une éducation créative, autonome, avec un lien avec la nature, en éco-citoyenneté, à la joie, en coopération, etc. etc. Et ça, c'est l'éducation qu'on doit, nous, inventer pour demain, mais faisons en sorte qu'elle soit là aujourd'hui. Très bien. Ilios ? Alors, pour prendre juste mettre en perspective, pour qu'on comprenne bien, en tout cas pour moi, que ce n'est pas éduquer à la joie, ce n'est pas nier la tristesse. Philippe, pour qu'on ne comprenne pas ce que tu as dit, comme oublions la tristesse, oublions la jalousie, oublions la colère, parce qu'elles sont tellement importantes, et que si on veut un monde sans violence, comme a proposé Charles, c'est un monde de réconciliation. Et la réconciliation avec nous-mêmes, c'est se réconcilier avec toutes les parties de nous-mêmes, celles qui sont tristes, celles qui sont en colère, celles qui sont jalouses, et ainsi de suite. Et donc le travail de l'optimisme, pour moi, c'est un changement d'attention. C'est de nous apprendre à porter attention à ce qui va bien, mais en étant dans la réconciliation de tout ce qui se passe en nous. Et donc ce n'est pas se dire je commencerai à agir quand je n'aurai plus de tristesse, quand je n'aurai plus de colère, quand j'aurai plus de jalousie, mais s'apprendre à vivre avec. Et je prends ma tristesse en dessous du bras avec beaucoup de bienveillance et je vais de l'avant. Je prends mes colères en dessous du bras, je les soigne, je vais de l'avant. Et je pointais ça juste pour ne pas qu'on entende. Moi, parfois, j'entends un discours qui est « il faudrait tout le temps être joyeux, il faudrait toujours être de bonne humeur ». Non seulement ce n'est pas possible, mais les recherches en psychologie aujourd'hui sont très claires là-dessus. L'évitement de nos sentiments difficiles est la première cause de nos douleurs morales à long terme. Alors que la réconciliation envers tout ce qui est en souffrance en nous ne nous amène pas à plonger au fond du trou, bien au contraire. Ça nous permet d'avancer, mais d'avancer de manière authentique et pas d'avancer de manière divisée. Et je suis sûr que personne n'a pensé le contraire dans l'assistance, mais c'est mon petit esprit un peu français. Tu fais bien, ce n'est pas de la pensée magique. Charles, tu voulais réagir ? Oui, je partage à 100%, évidemment, cette intégration de nos ombres dans l'action qui est très importante. Je voulais ajouter quand même quelque chose d'autre, c'est que nous parlons beaucoup des individus, mais nous ne voyons pas suffisamment que nous vivons dans des groupes. J'ai un ami qui est un ancien délinquant et qui me disait, il vivait dans une banlieue, un quartier de banlieue, il me disait, mais quand on est au bas de l'escalier, quand on arrive au bas de l'escalier, si les jeunes qui sont au bas de l'escalier sont des délinquants, on devient délinquant. S'ils sont des footballeurs, on devient footballeur. Et j'ai vu aussi au Rwanda à quel point le groupe pouvait entraîner des gens parfaitement normaux, quelquefois gentils, j'en ai connu, à commettre des massacres épouvantables par l'entraînement du groupe. Et je pense que cette question du groupe est très importante et on peut créer des groupes dans lesquels les gens, petit à petit, sortent de la victimisation, petit à petit, se reconnaissent frères en humanité. J'ai le souvenir d'un travail que j'avais fait au Moyen-Orient, entre des Israéliens et des Palestiniens. Et je me souviens de ce moment qui, pour moi, était merveilleux. C'est le moment où un Palestinien a dit à un Israélien, « Pour moi, tu es toujours un adversaire, tu es toujours un ennemi, mais je te vois maintenant comme un être humain et plus comme un monstre. » Et je pense que ça, il est très important qu'on arrive à créer des organisations, à favoriser des institutions, des organisations qui favorisent justement plus la coopération et l'amour que la peur et la haine. Or, ce n'est pas le cas de la plupart de nos organisations aujourd'hui qui ont tendance à favoriser justement plutôt la peur que la coopération et l'amour. Alors justement, sur cette articulation de
de nos vies, de notre quotidien, du travail que chacun peut faire sur lui-même et ces formes d'engagement collectif auxquelles tu aspires, il y a un petit passage. Comment on peut faire le lien? Comment travailler nos émotions personnelles, individuelles, Ilios, peut agir sur le groupe, sur le collectif? On va faire un petit test. J'aime bien et les petits Claire, tests. Claire, de nouveau un petit test. C'est tout simple. Alors vous voyez ici des trois figures. Test très simple. Des deux, ce sont les mêmes partout. Voilà les trois slides. Et donc, laquelle des deux figures du bas ressemble le plus à la figure du haut? D'accord? Question très simple. Deux figures en bas, une en haut. Alors, si vous dites que c'est la figure de droite qui ressemble le plus, levez la main. Il y en a certains qui connaissent la réponse, à mon avis. Et ceux qui disent que c'est celle de gauche, levez la main. Et ceux qui ne disent rien, sortez, parce que c'est que vous dormez. Alors, les études ont montré, évidemment, que, heureusement, c'est la majorité du groupe à lever la main pour la figure de gauche, que lorsqu'on est dans un état d'esprit plutôt de bonne humeur, positif, on a tendance à choisir la figure de gauche. Alors pourquoi? C'est très simple. La figure de gauche, dans le détail, ne ressemble pas à celle du haut. Ce sont des triangles et pas des carrés. Mais au niveau global, elle ressemble à celle du haut. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un test. C'est un petit jeu que je fais avec vous, comme pour le gorille. Ça ne veut rien dire statistiquement. Mais ça c'est quand même un classique de la psychologie positive. Oui, c'est un grand classique, mais ça ne veut rien dire dans une situation comme celle-ci. Mais elle nous montre simplement que lorsque notre état d'esprit est tourné vers le positif, comme l'a très bien dit Florence juste avant, nous devenons plus créatifs, mais pas seulement, et je viens à ce qu'a dit Charles maintenant, cet état d'esprit va non seulement mobiliser des ressources intérieures individuelles, mais va aussi mobiliser nos ressources sociales. Et donc, nous allons nous ouvrir plus vers les autres, être plus dans l'empathie, plus dans la compréhension, et nous allons plus regarder ce qui nous rassemble, ce qui nous connecte aux autres, que ce qui nous rend différents. Et je fais de nouveau le lien avec ce que Florence nous a proposé, une proposition d'exercice à faire tout de suite dans votre tête et ce soir chez vous, ça serait comment est-ce que je peux amener cette capacité à me tourner vers le positif dans mes familles, avec mes enfants, avec mon conjoint. Avec le conjoint, c'est difficile, mais au moins avec les enfants, avec mes collègues, avec mon patron et ainsi de suite. Et ça serait d'identifier une situation, d'abord d'identifier quelqu'un qui est important pour vous. Ça pourrait être votre patron, un collègue, votre enfant, votre conjoint, non seulement qui est important pour vous, mais avec lequel vous vivez un moment difficile. C'est ça qui est intéressant. Imaginez, vous êtes en tension avec un collègue, en tension avec un conjoint, et là, la proposition, ça serait, dans cette situation, dans quelle mesure pouvez-vous vous concentrer plus sur les qualités de votre conjoint, de votre collègue, de votre patron, que sur ses défauts? Dans quelle mesure pouvez-vous porter attention à toutes les fois où il fait ce que vous voulez qu'il fasse, plutôt que de regarder ce qui ne va pas? Je vous donne un exemple caricatural, mais vraiment très très bête. Un jour, j'ai un homme qui vient chez moi. Il est presque au divorce. Et pourquoi? Parce qu'il me raconte que sa compagne n'essore jamais l'éponge quand elle a fini de faire la vaisselle. Alors j'avais envie de lui dire d'abord, qu'est-ce qui est plus important pour vous, votre compagne ou l'éponge? Mais ça aurait été un peu brutal. Et donc, je me suis rendu compte que comme la plupart d'entre nous, à chaque fois que l'éponge n'était pas essorée, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à ruminer, à râler, à lui dire qu'elle aurait bien fait de le faire. Et toutes les études en psychologie comportementale sur les animaux et sur les humains nous disent qu'il est tellement plus efficace de regarder les quelques fois où l'éponge a été essorée et aller remercier la personne pour ce qu'elle a fait. Et on sait que ça sera un renforcement qui, statistiquement, va rendre la probabilité que la personne essore l'éponge plus importante. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et donc, quand un enfant, on veut qu'il change, et je ne parle pas des choses ou la sécurité de l'enfant ou de la famille mise en question, pareil dans l'entreprise. Mais lorsque ce n'est pas quelque chose de fondamental, c'est tellement plus efficace de regarder les fois où la personne fait ce qui est bon, les fois où la personne fait montre de qualité. Et lorsqu'on travaille, Charles me confirmera peut-être, avec des personnes qui sont dans des grandes histoires d'échecs où la vie n'a pas arrêté d'éclairer leur côté sombre, la première fois où quelqu'un vient sans jugement devant eux et regarde de manière authentique ce qu'il y a de lumineux, c'est tellement fort. Et il y a une citation africaine qui dit qu'il est tellement plus efficace d'allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Et de quelle manière pourrions-nous chacun d'entre nous, mais le faire vraiment, tout à l'heure, ce soir, d'aller regarder autour de nous tout ce qui va bien dans les personnes autour de nous, particulièrement les personnes que nous apprécions et qui sont difficiles, et comment pourrions-nous aller renforcer cela positivement? Et chez nous, pareil, c'est cette attitude de envers nous-mêmes, comment pourrions-nous regarder dans les moments les plus difficiles ce qui va bien en nous? Florence, je vois que tu veux dire quelque chose. Merci. Ben, je voulais vous proposer de faire ça tout de suite. Allez, alors. Soyons fous. Puisque nous allumons la lumière, puisque nous cessons de maudire l'obscurité, allons-y carrément. Nous allons faire un exercice extrêmement simple. Je vais vous demander de repenser à votre journée depuis ce matin.
Prenez pas l'air paniqué, hein, ça va aller, c'est très facile. Donc, vous repensez à votre journée depuis ce matin, vous êtes levé ce matin, vous êtes venu ici, etc. J'aimerais que vous trouviez trois choses qui vous sont arrivées, peut-être qui impliquaient quelqu'un, peut-être vous étiez tout seul à ce moment-là, peu importe, pour lesquelles vous avez simplement envie de dire merci. Vous allez réfléchir et vous allez vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et vous allez lui dire. Ça s'appelle un kiff, dans mon vocabulaire. De pratiquer ça tout bêtement nous permet de vivre plus longtemps, nous permet de vivre en meilleure santé, nous permet de tonifier notre organisme, nous permet de nous relier aux autres. C'est pas très difficile à faire et ça rapporte énormément. Alors, vous repensez, vous prenez un moment, depuis ce matin, dans votre tête, et vous vous tournez vers votre voisin et vous dites, voilà, moi, depuis ce matin, les trois choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. C'est pas juste un plaisir. Non seulement c'est un plaisir, mais pour lequel, franchement, c'est mieux que bien. Pour ça, merci. On y va ? C'est parti. Alors, ouais, c'est intéressant. Mais tout à fait une autre direction. J'ai oublié mon écouteur d'iPhone à la maison, ce qui fait que j'ai lu dans le métro un truc qui m'a intéressé. J'ai lu un bouquin, j'ai un professeur qui est très bon. Et j'ai rencontré au moins deux personnes hyper intéressantes de votre fait tout à l'heure. Est-ce que ça y est ? On n'a plus envie de s'arrêter ? On va vous laisser, en fait. Vous êtes bien, là ? Allez, une seconde de plus. Alors, peut-être pour reprendre le fil de notre après-midi... Je ne peux pas dire à votre place l'effet que ça vous fait, mais en tout cas, ça vous donne bonne mine. Ouais. Il y a des sourires qui se sont éclairés dans toutes les rangées, c'est impressionnant. La gratitude, puisque c'est ça dont il s'agit, est une émotion très, très particulière et très forte, très transformatrice, très reliante surtout. Et juste sur un plan tout à fait scientifique, sachez... Ça, c'est quand même une information en capital. Barbara Fredrickson, qui a fait les petits graphiques que vous venez de voir, est une rockstar absolue de la psychologie positive. Elle travaille désormais sur l'amour. Et ce qu'elle nous apprend, c'est qu'il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague. Nous avons tous un nerf vague. Et aujourd'hui, les chercheurs sont capables, en mesurant la tonicité de votre nerf vague, de vous dire à quel âge vous allez mourir et de quoi. Alors, oui... Mais alors, je vous le déconseille, hein. Mais surtout, on va pas au labo du coin, il saura pas faire. Mais à chaque fois que nous éprouvons de la gratitude, donc à chaque fois que nous listons comme ça, ne serait-ce que dans notre tête, en plus quand nous le partageons, des choses qui nous ont fait du bien, ou à chaque fois que nous vivons un moment intime, très simple, naturel avec quelqu'un, nous tonifions notre nerf vague. Nous venons collectivement, de tonifier notre nerf vague. Nous allons donc vivre ensemble plus longtemps et en meilleure santé. Gym du cerveau. Oui. Luc. Je voulais ajouter que j'organise assez régulièrement des conférences à Bruxelles. Et après chaque conférence, j'organise une petite réception. Et je demande que personne ne parte avant d'avoir parlé à trois personnes qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et c'est génial parce que ça permet évidemment d'inclure les gens qui sont un petit peu plus timides.
Et donc tout le monde finalement parle avec au moins 10 personnes. Et donc je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est un très bon exercice à faire. La preuve par l'exemple. Merci beaucoup, Florence. Charles, tu voulais nous dire quelque chose et... Merci. Non, je voulais proposer un autre exercice. Ah ben bah voilà, c'est de l'impro totale, donc on y va. On fait des exercices. Qui va tout à fait dans une autre direction. Mais à mon avis, c'est une direction complémentaire. Je pense que c'est vrai qu'il faut en quelque sorte se conditionner intérieurement à l'optimisme, mais en même temps, il faut voir aussi ce qui nous empêche. Les deux directions, à mon avis, se complètent parfaitement. Je regarde l'assistance, c'est un exercice que j'aime bien faire. D'ailleurs, il aurait été encore plus intéressant de le faire tout à fait au début, même au début de la journée peut-être, mais on peut le faire quand même. Je regarde l'assistance, je regarde les gens, je ne connais personne à part deux amis. Je ne connais personne. Il y a des têtes sympathiques et des têtes qui me sont moins sympathiques. Oh ! Et c'est une expérience que nous pouvons faire. Vous regardez autour de vous et vous regardez, il y a des gens qui vous attirent, que vous ne connaissez pas, qui vous paraissent sympathiques, d'autres qui vous paraissent moins sympathiques. Des gens vers qui vous iriez plus en confiance, parler de choses, par exemple, difficiles de votre vie, puis des gens où vous auriez une hésitation. C'est-à-dire, en fait, vous auriez peur d'être jugé, peur d'être agressé, peur d'être... méprisé, enfin, il y a ou peur que la personne soit indifférente. Je vois des visages chaleureux qui me regardent avec sympathie, d'autres qui me regardent avec indifférence, d'autres qui me regardent en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter celui-là. Bon, et ça éveille en moi des peurs. Ça éveille en nous des peurs alors que nous ne connaissons pas les gens. Et je pense que regarder ces peurs et de regarder ce que ces peurs ont de réel, c'est-à-dire si c'est réel, si quelqu'un me juge, eh bien, j'entre en conflit avec lui. Je vais apprendre à être en conflit. Et il va se passer quelque chose entre nous, quelque chose qui va nous permettre d'avancer ensemble. Mais sinon, si je n'avance pas, je me refuse à regarder et j'ai toujours l'impression que la personne va me mépriser et j'irai plus vers elle. Voilà. Donc on voit sa peur dans l'autre, finalement. Non, non, c'est nous avons des peurs qui viennent de nos blessures. Moi, par exemple, j'ai été un enfant abandonné, donc ce qui me fait peur, c'est la froideur. J'aime bien les gens qui me regardent avec chaleur. J'aime bien les gens qui m'admirent. Donc, mes deux peurs, c'est la peur d'être jugé et la peur de ne pas être aimé. Et la peur, donc, d'être rejeté, d'être abandonné. Et nous avons tous ici ces peurs. Alors, je ne vous propose pas de faire l'exercice parce qu'il nous prendrait 2 heures et on n'a pas le temps, mais simplement, imaginez, en regardant autour de vous, regardez, vous pouvez voir vos peurs. Vous pouvez voir qui vous donne l'impression de pouvoir éventuellement vous mépriser. Si vous montrez vous-même, naturellement, si vous montrez tel que vous êtes, qui vous donne l'impression de ne pas vous aimer? Qui vous donne l'impression, au contraire, dans l'échange de regards, vous sentez la chaleur du regard? Et tout ça, ce sont des impressions qui correspondent vraiment à nos peurs, qui sont liées peut-être à un danger réel, et ça, il faut qu'on l'explore dans un travail de groupe, ou alors un danger qui est fantasmé, qui vient de mes blessures, et ce sont ces peurs qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent d'aller vers les autres, de travailler avec les autres, et donc d'être optimiste. Encore un levier d'action, merci beaucoup Charles. On commence à être équipés là, hein, en levier de déclic positif. On a pas mal d'armes, j'allais dire, pour ce combat aujourd'hui. Et donc, tout ça, c'est encore une fois du travail sur soi, même si le mot travail est parfois un peu connoté. Et ça peut être plaisant aussi hein, de travailler la preuve. On est là aujourd'hui tous pour partager ça. Et donc, c'est au niveau individuel qu'on déclenche son envie d'aider, son envie d'aimer, son envie de positiver. Mais encore une fois, dans cette aspiration qu'on a ici, chacun d'entre nous, comment elle peut s'exprimer à un niveau plus collectif? C'est vraiment une vraie question. Et Christophe, je me tourne vers toi, Charles aussi sûrement, et Luc, évidemment, vous nous donnerez votre expérience. Mais on est face à des individus conscients qui tentent de s'empowermenter. Hein, on va essayer de trouver une traduction française. Comment on peut fédérer
toutes ces énergies qui sont quand même très diverses, très disparates. Il y a parfois des associations d'origine confessionnelle, pourquoi pas, qui font des trucs super, des associations d'écolos très radicaux, très militants. C'est un monde quand même très, très divers, très, très varié. Comment se file ce fil énergétique, si j'ose dire, pour l'action positive ? Toi, Christophe, dans ton expérience, tu réussis à le tisser tous les jours ? Alors, avant de répondre à la question, je vais faire un petit putsch aussi en vous racontant un petit conte, celui des étoiles de mer. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est sur une plage et qui voit un autre homme près de la mer qui ramasse quelque chose qu'il met à la mer. Intrigué, il se rapproche de cet homme. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez bien, il y a des milliers d'étoiles de mer. Je prends une étoile de mer, je la remets à la mer, sinon elle va mourir. Et l'autre dit, mais il y a des milliers d'étoiles de mer, jamais vous réussirez à toutes les sauver. Et la personne avec un petit sourire en coin prend une nouvelle étoile de mer et dit, vous avez raison, mais pour celle-ci, ça change tout. Et donc, ce qui est important de comprendre dans le moteur finalement de ça, c'est de voir quel est ce qu'on peut faire nous à notre niveau, véritablement. Je donne un exemple, pour le coup, qui vient de mon expérience. Vous avez parlé des rencontres changer le monde. C'est 70 à 90 personnes maintenant dans des lieux privatisés parisiens qui sont tous des acteurs de changement. Comment c'est né ? Un jour, je me suis dit, tiens, on va faire des dîners changer le monde à mon domicile. 12 personnes, une fois par mois, 2 personnes sélectionnées une à une en tant qu'acteurs de changement. Et l'objectif est de créer un lien entre ces 12 personnes. Un autre exemple, une amie qui décide avec sa fille de 10 ans d'organiser des goûters débats pour lâcher la parole des adolescents. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle a créé une association et elle fait ça maintenant dans les écoles de partout. Donc c'est simplement pour dire que la créativité, dont on parlait tout à l'heure, l'imagination, l'envie de faire un pas en avant existe chez chacun et qu'on peut activer ça. Maintenant, pour répondre à la question de manière collective, moi ce que je vois aujourd'hui baignant dans toutes ces initiatives positives, je vais prendre une métaphore, c'est la métaphore du bambou chinois. Le bambou chinois, c'est une petite graine qu'on met dans le sol. Attention, c'est un chinois, le bambou, pas un bambou normal. On met cette petite graine dans le sol, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, rien. On attend un mois, deux mois, six mois, un an, toujours rien. 2 ans, 3 ans, 4 ans, encore rien. Et au bout de 5 ans, cette petite graine de rien du tout donne naissance à une forêt de bambou extrêmement puissante, extrêmement forte, extrêmement luxuriante. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans ? Et bien, cette petite graine a donné naissance à une racine, et une autre racine, une autre racine, une autre racine qui a permis de faire émerger cette forêt. Donc moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Impliquez-vous » qui est préfacé par Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi a mis dans la préface « Le temps de ce livre est venu ». Pour quelle raison ? Dans ce livre, il y a 650 services, organisations différentes qui permettent d'avancer sur son chemin. Parce que ça fait 30 ans qu'il rabâche la même chose. Pierre Rabhi, et que là aujourd'hui il se dit ça y est, on est en train de faire émerger ces pousses de bambou les unes après les autres. Alors, tous ces gens qui se mettent en action, parmi les créatifs culturels, il y a ce que j'ai remarqué moi, qui fait des conférences sur ces sujets, j'ai remarqué qu'il y avait 12 prises de conscience importantes chez ces personnes-là. On peut les nommer ? Allez. On a le temps ? Vous avez tous vos stylos, tout va bien. Comme je ne les connais pas toutes par cœur, je prends ma petite fiche. Mais déjà, ils souhaitent une société altruiste, humaniste, écologique et plus coopérative. C'est le point 1. Ensuite, ils n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment important. Ils décident de faire partie de la solution et pas du problème. Ils ont entendu dire que... Non, ils agissent en activant leur autonomie, on en a parlé tout à l'heure, leur sens créatif, parce qu'ils savent qu'agir positivement les rend heureux. On n'en a pas parlé de ça, beaucoup. Type. On se sent bien quand on fait du bien. Toutes les études en psychologie positive les ont montrées depuis au moins 40 ans. Ils savent que nous avons 2 mains, une pour s'occuper de soi, une pour s'occuper des autres. Ils s'aiment ce qu'ils souhaiteraient récolter. Ensuite, ils savent que ce sont dans le futur les initiatives individuelles et non les révolutions qui vont faire les changements. Petit clin d'œil politique.
Ils savent que les ressources sont finies, mais que les solutions, elles, sont infinies. Ils savent aussi que c'est en agissant en périphérie qu'on a une influence sur le centre. Autre clin d'œil aux politiques. Et ils savent que la lumière dissout l'obscurité et pas l'inverse. Vous connaissez peut-être la chambre noire, on en a parlé tout à l'heure de manière un peu différente. Vous avez une chambre noire, comment on fait pour chasser l'obscurité? Eh bien, vous allumez une bougie, tout simplement. Et enfin, quand le vent du changement souffle, certains construisent des murs, eux, ils décident de construire des ponts et des moulins. Voilà. Donc ça me paraît important de comprendre effectivement la psychologie de ces personnes qui se mettent en marche, et puis après le comment, le pourquoi, toutes ces initiatives, elles sont là, elles fleurissent de partout, et ce qui me paraît important, et ce que j'ai compris en chemin, moi qui ai passé un petit temps à essayer de les rassembler les uns avec les autres pour faire quelque chose de plus grand, c'est que, observons la nature. Qu'est-ce qui se passe dans les forêts? Dans les forêts, vous avez un arbuste, une fleur, un arbre. Ils ne se parlent pas entre eux beaucoup, mais ils forment la forêt. Ils n'ont pas décidé en conscience de créer une forêt. Et donc l'idée, c'est d'avoir pour nous des fleurs, des arbustes, des arbres qui naissent de partout. Et puis les projets qui doivent coopérer, coopéreront ensemble. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes et beaucoup de forêts de partout. Et c'est ce que j'active, moi, parmi beaucoup d'autres aujourd'hui. Donc chacun, on plante sa graine. Luc, justement, vous disiez que vous avez été surpris quand même par le succès de la Ligue. Oui. Je pense que quand on se rend compte finalement que les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent, tout devient plus simple. Parce qu'au fond, nous sommes tous sur la même autoroute. Et je pense que ça doit aussi nous aider, je dirais, à plus de solidarité, plus d'amitié et donc plus d'optimisme. Et dans votre expérience de la Ligue, cette tache d'huile, là, vous disiez, ça, c'est parti pour cette traînée de poudre, je ne sais pas quelle métaphore utiliser. Là, effectivement, je peux parler essentiellement de mon pays, de la Belgique, puisque là, toutes les semaines, 17 000 personnes lisent la lettre. Je reçois évidemment beaucoup, je reçois à peu près 250 000 tous les jours des réactions. Et notamment, je veux dire, au niveau politique, on peut avoir une véritable influence aussi. Moi, je vois bien qu'à peu près la moitié du gouvernement, la moitié des parlementaires sont membres de la Ligue des optimistes, sans, bien entendu, qu'on leur donne de la visibilité, parce qu'il ne s'agit pas que d'être récupéré. Mais ça veut dire qu'on peut aussi avoir une véritable influence sur la pensée. Et donc, si le mouvement s'étend, eh bien, ça peut devenir amusant. Alors, j'aime bien aussi mettre un petit peu de légèreté dans le propos. Par exemple, j'ai demandé à l'ambassadeur du Royaume-Uni de venir donner une conférence à Bruxelles sur les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et l'Optimistan. Et donc, il vient le 3 juin, et donc l'idée, c'est de faire ça avec tous les ambassadeurs. C'est un scoop. Ben voilà, c'est un bon. J'aime bien. En fait, je pense qu'il s'agit de faire passer des idées sérieuses, mais avec un peu de légèreté. Parce que trop de sagesse, parfois, c'est un peu chiant aussi, quoi. Les leçons des Belges. Je voulais quand même vous demander à vous deux qui avez grandi dans ce pays qui est vraiment tout près du nôtre et quand même très très différent, notamment par rapport à toutes ces questions. Alors, est-ce que les Belges sont plus sympas, non, mais, plus solidaires, alors, plus empathiques que nous? Non, mais ce que j'observe quand même, c'est que la société belge est beaucoup moins hiérarchisée que la société française. C'est que on sent moins les strates sociales comme une chape de plomb en Belgique que ce n'est le cas en France. Enfin, ça, c'est une impression. Alors, je voulais vraiment vous dire aussi que on entend partout en France que les Français sont pessimistes. Et partout dans la presse, et vraiment, ça devient... franchement, je trouve que ça devient une débilité absolument extraordinaire de lire ça. L'autre jour, je lisais un journal, « Les Français sont pessimistes ». Et puis, je lis l'article. Et que dit l'article ? Eh bien, on dit que la plupart des Français pensent que leurs enfants ne pourront plus consommer autant qu'eux. Mais pour moi, ça n'est pas,
ça n'est pas une source de pessimisme, c'est une source d'optimisme, précisément. Donc, en fait, évidemment que moi aussi, je pense et j'espère que nous allons sortir précisément de cette société de surproduction et de surconsommation de biens à faible bonheur ajouté, mais ça ne me rend pas pessimiste du tout, ça me rend optimiste, parce que précisément, comme je le disais tout à l'heure, si le monde entier se mettait à vivre selon ce modèle-ci, eh bien le monde va s'écrouler. Alors si l'idée c'est de dire le monde ne va pas s'écrouler parce qu'il y a une prise de conscience, si ça c'est une source de pessimisme, je ne comprends plus rien. Philippe, peut-être un petit mot sur le rapport aux politiques, parce que disons des gros mots quand même, tout ce discours, on l'entend, on le voit émerger dans les entreprises. Il y a une table ronde hier où ça a été évoqué. Ça devient possible de travailler avec plaisir, de travailler son bien-être au travail, l'intelligence relationnelle au travail, etc. C'est un monde qui est même à conquérir avec toutes nos idées, le politique. Est-ce que, à votre avis, on se substitue à eux et finalement toutes ces initiatives citoyennes, individuelles, nous tous qui sommes là ce soir, on fait de la politique. Est-ce qu'on en fait à la place? Est-ce qu'on en fait pour après? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on en fasse à la place, en soi, ça n'a rien de choquant. Pourquoi est-ce que l'on voudrait que le politique... pour le coup, c'est une tradition française. Il faudrait que le politique s'occupe d'absolument tout, alors qu'en fait, bon, voilà, les initiatives locales, c'est quand même ce qui fait la réalité de notre pays aujourd'hui. Ce sont des initiatives locales dont, la plupart du temps, d'ailleurs, personne ne parle. Aujourd'hui, il y a des garçons et des filles qui, tous les jours, trouvent du boulot alors qu'ils n'ont pas le profil pour trouver du boulot. Ils créent des entreprises à des endroits qu'on ne connaît pas, qui vont être formidablement prospères, mais on n'en parle pas parce que dans le fond, ça n'intéresse absolument personne. Alors le politique là-dedans, lui, il a une espèce de discours un peu autonome qui est lié, qu'on le veuille ou non, alors avec bien sûr cette idée d'intérêt général, on est prêt à laisser le bénéfice du doute, pourquoi pas. Mais fondamentalement, le discours politique est un discours de conquête et de maintien du pouvoir. C'est comme ça. Qui passe par le pessimisme. C'est-à-dire, ce qui passe par le pessimisme. On appelle ça le réalisme. Le pessimisme par rapport aux autres, mais l'optimisme par rapport à soi. C'est-à-dire, continuez avec les autres, vous allez dans le mur, rebranchez-vous avec moi et ça ira mieux. Mais tout ça, dans le fond, n'est pas très important parce que de toute façon, la grande majorité des citoyens aujourd'hui, et l'un d'ailleurs des éléments de la fameuse crise du politique, entre autres dans notre pays, est là, c'est qu'une grande majorité de citoyens qui lisent énormément, qui sont sur les blogs, sur les réseaux sociaux, ne croient plus à la dichotomie mon optimisme à moi, le pessimisme envers l'autre. Ça ne colle plus. Donc on est redevenu, ce qui est d'ailleurs très très sain, un pays de mille et une initiatives et solutions locales, et là c'est formidable. Par ailleurs, dans la vie de tous les jours, dans les collectivités locales, dans la famille, dans des quartiers, etc., le triptyque qui crée l'optimisme social, c'est toujours le même. On peut prendre le problème dans tous les sens. On a une espèce de triangle magique de l'optimisme. C'est-à-dire que si on fonctionne comme ça, il ne s'agit pas de dire je suis optimiste, donc je fonctionne comme ça. C'est le contraire. On oublie optimisme, pessimisme. Voilà deux, trois façons de fonctionner au quotidien dans la vie. Si vous faites ça, il va se passer des choses, non seulement dans votre tête, mais dans vos relations avec autrui. Il y a trois secrets. Premier secret, je ne négocierai jamais avec cette idée simple, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il existe quelque part des solutions qui se baladent. Soit elles ont été mises en œuvre ailleurs, il faut qu'on les retrouve, soit elles ont été mises en œuvre autrefois, il faut qu'on les fasse renaître, soit elles n'ont jamais existé, on va les inventer. Mais de toute façon, le monde dans lequel nous vivrons demain ne sera fait que de solutions que l'on va trouver. Il n'y a pas d'alternative. La notion de monde sans solution possible, c'est une espèce de fantasme de décliniste, ça n'a aucun intérêt. Deuxièmement, pour qu'on trouve des solutions, il faut qu'on capitalise d'abord sur nos forces. On n'est pas parfait. Il y a beaucoup plus de domaines, vous voyez un pays comme la France par exemple, il y a beaucoup plus de domaines dans lesquels on est nul que de domaines dans lesquels on est bon. Mais si on pouvait regarder au moins les domaines dans lesquels on est bon. Mais c'est comme tout le monde ici. Regardons, nous avons du talent. Regardons, nous avons des forces. Si on commence à faire la liste de tous les domaines dans lesquels ça ne colle pas, mais il y en a des tas. Formidable. Mais la prise de conscience de là où on n'est pas bon, de nos faiblesses, de nos carences, c'est sûrement un exercice intellectuel, je dirais de lucidité pour le coup. Mais comme tu disais très justement tout à l'heure, la lucidité, à un moment donné, on la pilote. On dit, mais je suis tout aussi lucide sur ce qui va bien. Et regardons quand même ce qui va bien. Donc, il y a des solutions qui se baladent quelque part.
On n'a jamais vu un homme, une femme, un pays, une entreprise faire quelque chose de mémorable en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. On ne peut faire la différence et devenir quelque chose ou quelqu'un de mémorable qu'en capitalisant sur ses forces et ses ressources. Deuxième idée. Et la troisième idée, il y a un moyen, mais à tous les coups l'on gagne pour le coup, plutôt à tous les coups l'on perd, de se rendre malheureux, c'est de s'entêter à mettre son énergie, son intelligence, sa passion sur des sujets auxquels on ne peut rien. Alors en revanche, l'optimiste, il va vous dire, il y a de la solution quelque part, regarde tes forces en premier et mets donc tout ça sur des endroits où tu as des marges de manœuvre. Ça ne garantit pas la réussite à tous les coups, mais au moins on avance et donc on vit cette chose qui est formidable, qu'on réussisse ou pas, ça c'est un épiphénomène, on est vivant, on est en devenir. Donc on n'a pas perdu son temps sur cette terre. Et ça c'est la bonne nouvelle. Voilà. Merci. Luc ? Oui, alors je pense qu'au niveau des entreprises, là, il y a un gros travail à faire au niveau de la conscience. Parce que je pense qu'il serait peut-être temps que nous nous souvenions de l'étymologie du mot « company » en anglais. Quand on pense à « company », on pense à la bourse, on pense au profit, on pense aux grosses bagnoles. Je pense qu'il est peut-être, on devrait peut-être se souvenir que le mot « company » vient du latin cum panis, partager le pain. Et là, je pense que nous sommes vraiment loin du compte. Et je suis un petit peu fâché contre les écoles de commerce dans lesquelles on enseigne encore que le but de l'entreprise, c'est le profit. Je pense que c'est un scandale éthique. Je pense que le but de l'entreprise, c'est l'action juste pour l'humanité, l'action juste pour le monde. Et que le profit doit être la conséquence nécessaire qui, bien entendu, est aussi la condition de la pérennité de l'entreprise. Mais je pense qu'on a mis les choses à l'envers, qu'aujourd'hui encore, on considère que le but, c'est le profit, et je pense que ça, c'est un scandale auquel il va falloir mettre fin. Alors, il y a tout un mouvement émergent dans l'entreprise. Pardon, Philippe voulait juste réagir, je crois, à ça, parce qu'il côtoie beaucoup d'entrepreneurs positifs. Et on voit se développer quand même partout, y compris en France, des initiatives. C'est une vieille histoire entre mon ami Luc et moi. Il m'avait promis qu'il n'en parlerait pas. Je lui dis, si t'en parles, voilà, je vais être obligé de réagir. Encore une fois, Luc, je le dis donc, l'histoire que le but de l'entreprise, c'est de créer du profit, c'est dans les écoles de commerce belges. Dans les écoles de commerce françaises et dans le reste du monde, et d'ailleurs entre nous en Belgique aussi, encore une fois, cette histoire de profit est une histoire, je suis navré de le dire, ça fait 30 ans qu'on n'enseigne plus ça. En revanche, on dit quelque chose qui peut être confondu parfois. On dit que la raison d'être d'une entreprise est de créer de la valeur à la fois économique. Parce que si on n'a pas l'économique, tout le reste restera de l'ordre du rêve. Mais une valeur économique perd sa valeur dès l'instant où elle menace le social, qui lui-même perd sa valeur s'il menace le sociétal. Donc la triple création de valeur économique, sociale et sociétale est la raison d'être de n'importe quelle entreprise privée et devrait être la raison d'être de n'importe quelle entreprise publique, que ce soit non seulement en Wallonie, non seulement en Flandre, mais dans le Grand Bruxelles et dans la campagne qui est autour que l'on appelle l'Europe. Bon, la réconciliation est en marche. Merci. Charles, tu voulais réagir à ce rapport à l'État, peut-être on en attend trop. Non, je voulais réagir, peut-être en disant quelque chose, en mettant les pieds un peu dans le plat, en disant quelque chose qui va avoir l'air pessimiste, mais qui en fait, à mon avis, est profondément optimiste. J'ai vu beaucoup de violences relationnelles dans les milieux qui s'occupent de la paix, qui s'occupent du bien-être, de l'écologie, de l'éducation. Beaucoup de violences relationnelles. Et ça me fait penser, donc, que nous devons prendre la responsabilité de notre violence. Qu'est-ce qui fait que, malgré toutes les initiatives extraordinaires, magnifiques, ça ne décolle pas, ça ne change pas vraiment, notre société ne change pas vraiment? C'est en raison de cette violence relationnelle qui existe dans tous les milieux. Et je pense que le premier travail que nous devons faire, c'est un travail sur notre propre violence. Quoi que nous soyons enseignants, que nous soyons un faiseur de paix et un créatif culturel, que nous fassions partie d'une association, d'une organisation, d'une entreprise,
Nous devons regarder en quoi nous contribuons au malheur du monde et au malheur de notre société. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous devons arrêter de travailler entre nous de façon incestueuse. Nous devons aller vers ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Et ça veut dire avec le conflit, peut-être. Bien sûr, nous devons avoir le conflit. Sinon, encore une fois, nous allons avoir des milieux qui vont vivre entre eux, d'ailleurs, cette violence, comme des tas de milieux que je connais, de mouvements non-violents, de mouvements écologistes, etc., qui sont pourris par la violence relationnelle. On l'a vu, par exemple, pour les écologistes. Et donc, il y aura ça. Et d'un autre côté, on aura des milieux comme ça qui vont se regarder en chien de faïence et qui vont bloquer cette société parce que nous n'allons pas avancer ensemble. Et on voit bientôt, il va y avoir les élections européennes, et on voit très bien que c'est exactement ce qui va se passer, c'est qu'on aura des îlots comme ça de pensée irréductibles les uns les autres et pas d'approche vraiment d'une société commune, d'une société fraternelle qui ne peut exister qu'à travers le conflit, et un conflit positif. Merci. Une petite note aussi, on va dire, violente, mais dans le bon sens du terme. Florent, je me tourne vers toi. Power, patate, d'accord ? Nos super pouvoirs. J'essaye de voir. C'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui concerne tous les individus et tous les groupes, ce dont tu parles. Nos super pouvoirs, cette capacité à la gratitude, cette capacité à agir, toute cette puissance qu'on a en nous. Ça concerne tous les hommes, les femmes, de toutes les cultures dans le monde. Juste savoir ce qu'est un super pouvoir. Un super pouvoir, c'est un trait de personnalité, sauf que c'est le vôtre. Et dès lors que vous l'utilisez à bon escient, ça devient quelque chose qui est utile au reste du monde. Donc oui, ça concerne absolument tout le monde. Le tout est trouvé lesquels. C'est encore une bonne nouvelle. Je vais me tourner vers notre cher auditeur de choix, Philippe. Tu as un micro. Philippe Croizon. C'est bon, il tient ? On peut brancher le micro de Philippe ? C'est bon, me dit-on ? C'est bon. Merci beaucoup. Ça Philippe, fonctionne. Je voulais t'entendre pour conclure et te laisser le mot de la fin, sans oublier de signaler à l'Assemblée, évidemment, qu'en sortant d'ici, tout le monde peut se rendre au forum, à la librairie pour signer les bouquins. Il va y avoir un concert de gospel absolument incroyable, apparemment, d'ici un petit quart d'heure. Enfin, restez là. Ne bougez pas. Et Philippe, je te donne vraiment le mot de la fin. 30 secondes. Je vous remercie. 30 secondes, parce qu'on a largement dépassé le temps. Il paraît déjà, donc il faut faire vite, très, très vite. Merci. Merci de m'avoir mis parrain de ce premier festival de l'optimisme. C'est vrai qu'on m'avait demandé d'être parrain de l'optimisme. Deux premières questions. Parce qu'il est lourd. Deux premières questions sont venues à moi, mais je dis, mais qui va venir au printemps de l'optimisme ? Est-ce que c'est les pessimistes qui veulent savoir quelle est la recette pour devenir optimiste ? Ou alors, est-ce que c'était les optimistes qui allaient venir pour dire, mais pourquoi je suis dans cet état-là ? Donc, cette question m'a harcelé vraiment pendant très longtemps. Et pendant ces deux jours, j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses et j'espère que vous tous qui êtes là dans cet hémicycle, vous avez eu des réponses et que cet optimisme qu'on a eu pendant ces deux jours va être contagieux, qu'on va pouvoir le transmettre autour de nous. Moi, j'ai eu deux petites réponses, et j'aime énormément l'humour. Hier, on a traité de l'optimisme par la chimie, donc avec le Xanax. Alors, je me dis qu'en province, il doit y avoir énormément de Xanax, et qu'ici, à Paris, la pilule pour faire la gueule doit être moins chère que le Xanax. Parce que je prouve qu'on est un peu plus optimiste en province qu'ici. Enfin, c'est peut-être que mon opinion. Et la deuxième réponse que j'ai apportée, on a parlé aussi de la sexualité. Et c'est vrai que j'ai parlé hier que quand je me suis réveillé, il manquait deux bras, une jambe. Je me suis accroché à ma dernière jambe pendant un petit bout de temps et ils me l'ont coupé. Et après, on a parlé de la sexualité et que ça rendait optimiste. Et on m'en a coupé 4 sur 5. Et maintenant, je sais pourquoi je suis optimiste. Merci. Oh, quelle conclusion osée. Osons agir positif. Merci beaucoup, beaucoup à tous. Merci infiniment d'être venus. Et agissons positif ensemble. Merci. Merci, Laurent. Printemps de l'optimisme. Suivez les conférences du Printemps de l'optimisme.